Et salut à tous, c'est TheGhost et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de Minecraft Modé. Donc la dernière fois on s'était arrêté en craftant ce petit désassembleur atomique. J'avais fait une petite séance de minage et là vous voyez que ma petite maison elle a pas mal grandi. Donc en gros j'ai pris, il y avait deux maisons avant. Donc il y en avait une là et une un peu plus haute, je vous remettrai peut-être une image avant. Et surtout que là vous pouvez voir que j'ai mis beaucoup plus d'éoliennes, comme j'avais quelques petits problèmes d'énergie dans mes machines. Donc là j'aurai beaucoup moins de problèmes d'énergie, sachant que, on va voir la consommation. Après là je peux pas, mais ça produit pas mal d'énergie tout ça. Et j'ai du coup mis une espèce de salle des coffres ici. Et ici j'ai voulu faire un truc assez compact, du coup j'ai mis un système de hopper. Donc je pense que c'est l'un des systèmes le plus compact que je peux mettre dans ma baraque comme ça. Et puis ça coûte pas ultra cher quoi. Mais je vous ai parlé de ma petite salle des coffres. J'ai mis que des petits coffres, etc. Alors vous voyez que ça peut très rapidement devenir le bordel. Par exemple là j'ai un petit coffre à bordel. Voilà. Donc vous voyez que j'aimerais bien que tous mes coffres soient rassemblés dans une espèce de... qu'ils soient tous rassemblés pour que ça fasse comme un système de serveur informatique où on va pouvoir stocker tous nos items de façon on a juste à taper comme sur Apply d'énergie stick pour avoir directement l'item qu'on veut. Donc pour ce fait je voulais utiliser RF Tools. RF Tools il rajoute un bloc, le scanner, et en fait il va détecter l'ensemble des coffres dans un rayon de 20 blocs, ce qui est assez... j'ai voulu le faire, j'ai testé ça en créatif, sauf que ça ne marchait pas. J'ai même testé en survie, etc. J'ai pris 30 minutes avant de chercher, et je pense qu'en fait la version du mode n'est pas assez récente, etc. Donc je sais pas pourquoi le bloc ne veut pas marcher. Je pense que ça sera trop compliqué. Du coup je vais me rabattre sur un autre mode, donc qui est Applied Energy Stick. Donc je l'ai déjà chargé ici. Donc j'ai déjà quelques petits cristaux qui est l'un des éléments principaux du mode. Donc en fait ce mode est extrêmement pratique pour plusieurs choses. Déjà il rajoute un système de stockage extrêmement performant, et ça par contre celui-là je le sais très bien comment il marche. Et d'autre part il rajoute les crafters automatiques et l'automatisation des machines entièrement. Donc ça je trouve ça extrêmement pratique pour ce que je veux faire. Pour le mode Applied Energistic il faut deux petites ressources principales. Donc il y a le Certius Quartz chargé et le Certius Quartz normal où il n'y a rien. Alors le problème de Applied Energistic c'est que ça demande des stacks et des stacks de ces ressources là, et ça c'est tout ce que j'ai. Je dois en avoir un petit peu dans mes coffres là quelque part. Je dois avoir mis tout dans celui là mais pour ça vous voyez que vraiment je suis très loin des stacks et des stacks, rien que pour je pense commencer vraiment à faire un très bon système. Il faudra déjà que j'ai bien une dizaine de stacks de Certius. Donc pour cela je vais devoir créer une quarry. Donc une quarry c'est un truc qui va miner automatiquement. Donc je vais la foutre quelque part pour qu'il mine d'assez grandes zones. Donc je vais essayer de crafter une petite quarry et on se retrouve directement quand je l'aurai placé. Allez. Et donc j'ai terminé de crafter toutes les machines nécessaires. Il m'a fallu beaucoup de temps pour toutes les crafter. Donc surtout le Tesseract. Donc j'ai dû craft deux machines pour remplir d'Enderium. Donc c'est vraiment ultra compliqué de le faire, surtout les Enderian Ingots, etc. J'ai dû aller tuer beaucoup d'Enderman pour me procurer la Resonaten, pour me procurer des Enderpearls que après je fais fondre dans le Macrocide et après que je fous dans le Tesseract, et aussi pour faire les lingots machin. Donc c'est à peu près tout ce que j'ai fait. Et maintenant on va juste aller les installer dans un endroit. Donc je vais aller chercher un petit endroit vite fait et je vais vous montrer comment ça marche. Mais avant faut pas que j'oublie de placer le Tesseract. Donc le Tesseract c'est ultra pratique pour ce que je fais.
Mais il faut que je trouve un emplacement à peu près pratique. Par exemple, ça, je vais le virer pour le mettre par exemple, là, ouais. Voilà. Voilà. Là. Et pourquoi ça ne s'accroche pas? Je n'en sais rien. Alors, peut-être que je l'ai pas terminé. Ah ouais, j'ai pas encore terminé. Donc je vais vite faire ça et on se trouve directement. Donc je vais aller placer le petit tesseract après que j'ai terminé de le craft, parce qu'en fait là j'ai pas fait entièrement le tout de craft, il me manque encore à crafter quelques trucs supplémentaires dessus pour vous dire à tel point que c'est relou à crafter ces trucs-là. Et après je vous montre directement comment ça fonctionne la carrière. Alors, je viens de me rendre compte que le Tesseract, il peut transférer aussi les fluides et l'énergie et les blocs. Donc, les coffres du néant qui me permettraient normalement de pouvoir faire ça, ils me servent à rien, même si je vais directement les utiliser pour les injecter dans ces coffres-là, au lieu de faire un tuyau qui passe jusqu'à là-bas, etc. Donc, je vais mettre ça en place. Allez, allez. Alors là, je viens de trouver une petite météorite. Donc, j'ai ramassé aussi un peu de pierre du ciel qui nous sera extrêmement utile. Donc, vraiment, je suis pas loin. La base est juste ici. Et on est juste sur un biome champi à côté qui est immense. Hein. Par contre, ça commence à être un peu compliqué pour miner. Voilà. Faut que je trouve, en fait, normalement, il y a un coffre. Mais ici, il est vraiment pas facile à voir. Donc faut que je le trouve. Ah, voilà le coffre, je l'avais pas vu tout de suite. Donc on peut trouver du coup une pierre de ciel, j'en avais déjà plein. Et plein de matrices, trois matrices d'un coup, c'est ultra pratique. Je sais même pas si c'est le maximum qu'on peut avoir, parce que franchement, c'est la première fois que j'ai vraiment trois matrices d'un coup. En plus, trois différentes, ça c'est ultra utile. Donc les matrices, c'est ultra important dans Applied Energetic, parce que déjà on peut les dupliquer une fois qu'on les a legit, c'est-à-dire sans tricher quoi, sans bug. Donc on peut dupliquer déjà les matrices sans utiliser un use bug. Par contre, pourquoi je n'ai pas récupéré de bloc Je suis un peu. Donc les matrices, c'est un truc assez pratique parce qu'en fait c'est déjà un des. Donc les matrices, en fait, c'est un des blocs les plus importants de Applied Energetic dès qu'on veut faire des trucs un peu plus spécialisés. Mais par contre, c'est pas. La matrice, c'est pas un des blocs. Donc, les matrices, il y en a 4 qui existent dans Applied Energetic. Et en fait, c'est un peu ce qui va nous servir à faire les circuits imprimés de chaque composant qu'on va faire. Donc, en fait, c'est un peu les trucs modernes, quoi. Toi, tu dégages. J'aime bien ton chapeau, par contre. Voilà. En fait, surtout, le plus gros avantage des matrices, c'est qu'on peut les dupliquer. Juste en mettant un bloc de fer et en les compressant avec une presse. Voilà. Donc je pense que je vais prendre une zone par ici. Je suis vraiment pas sûr que le biome champi ait des meilleures ressources, etc. Du coup, je vais prendre un petit peu de ça. Alors en fait, ça fonctionne assez bien. Buildcraft, ça ma carrière. En fait, ce qui est assez pratique, c'est qu'on peut définir une zone assez simplement. Donc là par exemple j'ai crafté des petites torches, donc j'en place par exemple, là je fais vraiment pour vous montrer, et après je fais un clic droit avec une clé à molette, et après je viens placer à côté d'une torche, voilà un builder, et ça m'a fait sauter mes petites torches, sauf une, voilà. Donc pour ceux qui veulent savoir comment on les craft ces torches, c'est tout simple avec du lapis et une torche en redstone, voilà. Et après, on a juste injecté du courant dessus et ça va être pratique. Et après, c'est bon. Donc du coup, je vais mettre tout ça en place. Je vais faire une assez grosse carrière et du coup, je vais le lancer et on se trouve directement quand elle est lancée et que tout marche. Voilà, elle est déjà en train de commencer.
Et donc, j'ai remplacé les tuyaux en mettant des items conduites, c'est ce câble d'Enderio, donc j'en avais crafté un petit peu. Donc, je vais pouvoir remettre la quarry en marche et normalement, on n'aura plus de problème. Là, c'est tellement rapide que. Là, que ça va remplir extrêmement rapidement. J'espère que ça remplit. Voilà, ça remplit assez vite. Voilà. Après, il faudra juste que je mette des petits filtres pour que ça filtre. Bah, en gros, que ça dise où à émettre quoi en fait. Par exemple, je vais mettre une petite poubelle à côté pour que ça mette la cobble d'un côté et de l'autre. En même temps, je vais commencer à crafter les premières machines pour Applied Energy Stick. Là, j'ai mis quelques presses. Donc je vais faire, je pense, une petite partie Applied Energy Stick, je sais pas où. Je pense que je vais faire du coup là où je devais faire la salle de triment. Et ici, ça c'est juste temporaire. Hein. C'est des coffres qui vont pas être servis très longtemps. Bon, c'était juste pour mettre plus rapidement ma quarry en marche. Vu que je pense pas avoir très souvent des petits Certus Quartz qu'il me faut vraiment en masse. Tiens, est-ce que j'en ai eu depuis le temps? Je ne sais pas, ouais, 7 Certus Quartz. Pour vous dire que c'est assez rare d'en trouver. La quarry, après, faudra que je la bouge un peu assez souvent, mais pas ultra ultra grave, hein, parce que par exemple là, Yonda, ça va la miner après, mais on est que plus 50, hein, ça va, à la miner quoi, une dizaine de, même pas, 5 touches, quoi. Voilà, donc ça va miner tranquillement tout ce qu'il y a besoin, par exemple là, il y en a plein, etc. Voilà. Donc je pense que je vais faire un petit timelapse de tout ce qu'elle va miner. Alors les gars, je viens juste d'obtenir un Draconium Dust. Donc le Draconium Dust en fait c'est un truc pour Draconic Evolution, c'est ultra rare. Normalement on l'a ultra que dans le qu'en land, que dans l'end ou très rarement dans les autres mondes. Parce que là je suis en train de miner un peu de quartz. Mais vraiment j'ai de la chance. Bon, je le garde au cas où. Parce qu'à un moment on devra aller sur Draconic Evolution. Alors, pour faire dans les modes de Applied Energy Stick, il faut des cristaux, des Flux Crystals. Et moi j'ai envie de faire cela. Et pour cela, il faut dropper un chargé de Certus Quartz plus un Nether Quartz et une Redstone Dust. Donc j'ai tout préparé. Donc j'en ai 8 chargés. Donc on peut faire quelques-uns. Ah non, j'avais que 3, d'accord. Donc je vais faire attention. Voilà. J'en ai. Alors, je vais pas casser mon champ de patates. Hein. Il faut que je drop ça dans l'eau. Alors, après, avec ça, je vais pouvoir faire le petit chargeur, celui-là. Ça permet de faire un chargé de squirt. Donc maintenant, vous voyez que là, j'ai juste à mettre. J'ai juste à faire clic droit, à attendre un petit peu. Et attendre que ça charge, donc ça peut être assez long, hein. Voilà, c'est assez aléatoire en fait, voilà, regardez, en fait dès qu'il devient un peu blanc on peut le ramasser, ou sinon vous voyez en haut il y a on voit Cotton Certus Quartz Crystal quand il est pas chargé, et dès qu'on voit qu'il est chargé ça met chargé, donc ça va, voilà. Et donc voilà, j'ai créé la petite imprimante, si on peut appeler ça, c'est une presse qui nous permet en fait de pouvoir compresser avec ces plaques là, donc on peut les mettre dedans. Après on peut mettre par exemple un mat par celui-là ça marche pas, mais ça c'est par exemple la plus connue, voilà, et avec du silicium, là j'en ai un petit peu, pour faire après des plaques de silicone, voilà, et ça prend un peu de temps. Donc je vais pouvoir faire 3 upgrades de speed pour aller vraiment plus vite. Vous voyez que là ça va nous permettre de faire des en gros des circuits imprimés, ce qui est dans les ordinateurs, donc ça te permettra en fait de faire les rangements de coffres, etc. Alors un autre moyen d'automatiser un peu tout ça, c'est en mettant un hopper. Donc là j'ai mis le silicone, donc c'est tout ce que j'ai pour l'instant.
Et voilà, avec ça crée tout de suite des silicones. Donc c'est assez pratique pour faire ça. En même temps, j'ai laissé un peu ma quarry le temps de miner. Ça a quand même bien miné. Hein. Ça a miné aussi le silicone que je vous ai montré juste avant. Les coffres sont pas remplis. Donc ça c'est un coffre que j'avais. Ça c'est pas la quarry qui l'a miné. Mais sinon, j'ai pas mal de matériaux. Pas mal de fer. Ouais. Voilà. Pas mal, hein. Vraiment des bonnes ressources, hein, donc ça nous servira. Enfin, tout je duplique avec le machin, faudra que je fasse un système automatique. Mais ça, on y viendra juste après avec Mechanism dans un prochain épisode qui nous permettra de faire vraiment des machines beaucoup plus puissantes que ces deux machines-là, parce que ces machines-là, elles sont pratiques pour quand on fait ça nous-mêmes, mais sinon, pour l'optimisation, c'est vraiment... pas le meilleur quoi. Alors aussi je pense que vous l'aurez sûrement remarqué, c'est que j'ai 39 levels. Donc certains pourraient me dire ouais enchante peut-être ton Atomic Disassembler. Je suis pas vraiment pas sûr que ça s'enchante. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais créer un petit item. Donc cet item c'est l'expérience obélisque. Donc tiens, on a un truc qui se craft assez simplement hein. Après j'ai déjà l'induction smelter. Avec ouais, que j'ai des trucs avec l'induction smelter, donc ça va être très rapide. J'ai de la glow, j'ai de l'or, j'ai de la redstone, donc je vais me créer ça. Donc c'est bon, j'ai crafté mon petit système pour l'expérience, donc je vais le foutre dehors. Alors la vache, tu vas pas rentrer. Notre vache qui nous accompagne depuis le début, hein. Voilà. Donc je vais poser, non pas là, je vais poser dans ce coin là, tiens. Et normalement, voilà, j'ai mes 39 levels, je peux les récupérer quand je veux. Voilà. Si je veux. Par exemple, là, j'ai 0 level. Si je veux en récupérer un. Non, c'est là. Si je veux avoir un level, voilà. Voilà. C'est assez pratique. Et maintenant, je ne crains plus de me faire tuer par le quelconque mob, vu que je n'ai plus mes 40 levels qui sont maintenant dans ce petit item. Et au moins, je ne les perdrai pas et je m'inquiète pas sur les levels. C'est bon, j'ai terminé de tout crafter. Alors, c'est bon, j'ai crafté 3 disques 4K. J'ai mis un terminal de fabrication. Donc, je l'ai crafté celui-là et pas le terminal tout simple, parce que ici, il y a une table de craft intégrée, ce qui est ultra pratique. Pour Applied. Donc du coup, maintenant j'ai juste à faire un clic droit ici, et maintenant par exemple je peux stocker mon petit câble. Et là vous voyez, il a dû être stocké dans celui-là. Voilà. Là, ah non c'est donc un item, non c'est pas, il n'y a pas 96 places. Hein. Oui. Donc je pense que ça varie environ des items. Bon, un truc à savoir, mais bon. Alors certains me diront, mais comment tu vas faire pour transférer tout ce qu'il y a dans tes coffres là, dans ton système? Et donc j'ai terminé le petit système. Donc voici le petit système. Hein, ça sera juste. Donc ça sera juste temporaire, juste pour vider les coffres. Donc maintenant j'ai juste appuyé sur le petit bouton là et voilà. C'est ultra classe. Donc je peux passer à travers, etc. Et là vous êtes en train de dire mais c'est en train de se faire avaler, etc. Et vous dire la vitesse où ça va. Voilà. C'est pour vous dire la vitesse où ça va. Si je regarde dans l'Applied, regardez à la vitesse où ça va. Et donc j'ai terminé mon petit système, donc j'ai tout compacté, etc. Donc là il n'y a plus les coffres, donc ça fait beaucoup moins dégueu. J'ai enlevé les coffres, ici je peux même enlever l'étape de craft où il y avait encore un peu de trucs dedans. Voilà, tac. Et je vais pouvoir vous montrer tout ce qu'il y a dedans. Donc voilà tout ce qu'il y a dedans, et je pense que vous aurez sûrement... Donc je vais mettre tous mes items dedans, et je pense que vous aurez sûrement remarqué que... Ah, ici il y a deux points orange. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En fait ça veut dire qu'il y a les deux disques où il n'y a plus du tout de type. Et il faut que je fasse attention parce que mon troisième disque, il y a tout juste 52 types qui sont utilisés sur les 63. Donc bientôt je ne pourrai même plus pouvoir. Bientôt je ne pourrai même plus stocker des choses. Dans ce système-là, parce que je n'aurai plus assez de disques de place dans les disques durs. Donc ça, c'est juste la base de Applied. C'est son système pour les items, etc. Ce qui est extrêmement pratique. Mais après, on va pouvoir automatiser quasiment toutes les machines qu'on a ici. J'espère que vous allez bien aimer la vidéo. Si oui, mettez un pouce bleu et abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait pas de mal. Et moi, je vous retrouve pour la semaine prochaine. Allez, ciao ciao!